la présence des élèves, bien entendu, mais aussi et surtout celle des parents. Que nous soyons tous réunis ici, moi, ça me touche toujours, car j'adore ce genre d'occasion. Ce soir, si nous sommes ici, c'est pour souhaiter bonne chance à ces jeunes filles qui vont représenter avec talent, je le sais, notre très cher collège. L'une d'elles est Antonella, et la seconde est la sémillante et enchanteresse Patricia. Merci pour elle. Ah, voilà Antonella. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à vous tous. Bon alors, je tiens à tous vous remercier d'être venus. Profitez-en, amusez-vous comme des petits fous. Parce que cette fête, je l'ai organisée avec mon oncle Fito et mon représentant, mon oncle Nicolas. Voilà, c'est tout, je crois. Sachez simplement que je n'ai pas fait ça pour moi, mais avant tout pour vous. Parce que voilà, les gens qui ont du talent comme moi, eh bien, ils adorent être généreux avec les autres. Faites les petits fous et passez un bon moment, d'accord? Bien, merci. C'est super. Aucune de vous ne goûte une seule bouchée de tout ce qu'ils vont nous servir. Et surtout pas toi, Patricia. Une petite charade de l'oncle Fito. Yeah! Oui! Mon premier est un oiseau qu'on dit voleur. Je vois pas. Mon second est un animal qui a de longues et belles oreilles. Antonella, chérie. Et mon troisième a tendance à mouiller. Mon tout est un instrument de musique. On n'en sait rien, dis-nous ce que c'est. Je sais rien. Eh, les enfants, c'est un piano. Elle est trop marrante. Lucie, ce sont les sandwichs spéciaux, c'est ça? Ils sont pour la table des passionnés. Sois tranquille, avec le laxatif que j'y ai mis, elles ne vont plus pouvoir sortir des toilettes. Non, Catherine, fais attention. Magnifique ta robe de mariée. Ouais. T'as pas bientôt fini. Mais ton futur mari aurait pu faire un effort. Trésor. Oui. Voilà, exactement. Ces sandwichs-là, amenez-les sur la table derrière. D'accord. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient affamés. Ah oui, donc, en fait, le plus tôt sera le mieux. Bien sûr, je m'en charge. Tout cela. Je le rapporte. Et qu'ils mangent surtout. 2500. C'est quoi la réponse? On n'en sait rien, Fito. Comment s'appelle cette pièce? Dis-nous comment. Je sais pas, allez, vas-y. Le masque de fer, pardi. C'était pas si loin avec ton surfeur d'argent. On va reprendre l'histoire dans l'autre sens. Oh, génial, des sandwichs. Non, Mathias, non. Hé, j'y ai pas droit. T'as oublié ce que nous a dit Joséphine? On peut rien avaler. J'ai faim, pourquoi je mangerais pas un sandwich? Parce que, Mathias, il fallait m'écouter. C'est une fête organisée par Antonella. Autant de gentillesse de sa part, je dis, que ça cache quelque chose. Oui, c'est certain, mais que de fraîcheur, que d'envie chez cette nouvelle génération de chanteurs engagés. Ah, c'est très bien. Ça m'empêche pas de dormir. Donnez-moi mais... ça, ne vous en faites pas, je m'occupe de madame. Pardon, mais que dites-vous, jeune homme? Prenez un sandwich, Pierre. Ah, donne-en un, Antonio. Et puis c'est cette biscuité, mangez de façon, c'est la mais ça. Ils ont l'air dégueulasse. Ce sandwich est un régal. C'est un autre régal que d'être attablé à tes côtés, Inès. Ce service de cocktail à domicile est parfait. Je crois que c'est un traiteur, non? Oui. Un traiteur en vision. je n'ai pas pu m'empêcher quand on parlait de chanson. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il n'ait pas goûté un seul sandwich? Comment, Tissu? Oh, c'est dingue. Mince alors. Ça va? Oh, Pierre ne répond pas. C'est étrange. Il est toujours aux toilettes? Oui, il doit sûrement se recoiffer. Il est depuis longtemps, je souffre. Ce qui nous arrive est très bizarre. Ouais, c'est assez désagréable d'entendre le bruit, en tout cas. Non, est-ce que ce serait... D'après moi, c'est quelque chose que l'on a mangé. Ouais, c'est sûr. Oui. Le problème vient du traiteur. Ça ne fait aucun doute. Il faut qu'on trouve le responsable de cette intoxication. Bon, par là, il y a une surprise. Écoutez-moi, il y a une surprise. La production m'a dit qu'un groupe de jeunes de high school... Allez venir à votre rencontre. Et on ne crie pas, d'accord? Bienvenue, comment ça va? Vous allez bien? Ça va bien. Là pour moi, c'est incroyable. C'est vrai, vous aimez bien le programme? Il est génial. Ça va être ton soir, Patricia, j'en suis certain. C'est par là, je crois. Bon, Nico, j'imagine que tu sais où se trouve la loge qu'ils ont dû me réserver. Non, mais on va demander aux élèves de high school. Bonjour. Salut. Salut. Vous êtes du groupe Les Divines, c'est ça? Oui. Penses-tu, mon chéri? Ose nous dire que nous ne sommes pas divines. Et toi, tu es qui? Julien. Julien, ouais. Le chanteur rock, souviens-toi. En tout cas, bienvenue à vous, je suis Walter. Et moi, c'est Angie, enchantée de vous connaître. Walter. Nous aussi, on est enchantés. Et ma loge, vous savez où elle se trouve? On lui dit quoi? Bon, au début, pour chacun de nous, ça a été un peu difficile. Je me souviens, ça a été difficile la première fois que tu as chanté.
Ah ouais, j'ai pas eu de chance sur ce coup, j'avais presque plus de voix. Moi je meurs s'il m'arrive ça, ça doit surtout pas m'arriver. Non, 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 Patricia. Dis-moi, c'est toi Patricia? Tu participes au concours cette fois-ci? Oui, c'est moi qui chante. Oh mince, c'est plus fort que moi, j'ai déjà le trac. Non, j'ai l'estomac noué. Non, Patricia, reste détendue et ça ira. On est autour de toi pour te donner du courage. Mmh, tout à fait, ça, allez. Ça va bien se passer. Merci, sois c'est gentil, Patricia. Pas de panique, Patricia. Les esprits ce soir. Bonne chance à toi. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas une loge pour moi toute seule. Redescends sur terre, tu n'es pas Madonna, enfin pas encore. C'est uniquement quand on est célèbre qu'on a une loge individuelle. Bien sûr. Bon, alors écoutez, j'exige qu'on me trouve une loge. Et sur le champ, pas dans une heure, ok? Ce qu'il faut foncer voir dans les salles toutes noires. J'ai ciné à suivre sur Gulli. Ce soir sur Gulli. Les candidats de la carte au trésor prennent de l'altitude avec Nathalie Simon. Nous sommes dans les Pyrénées.